Je parie que c'est ce que t'attendais en participant à Made in Japan. Des voitures customisées qui roulent à fond en centre-ville. Vas-y, pilote, cette voiture est faite pour la première... Ton vœu a été exaucé. Toutes les voitures sont au sommet de leur art, surtout la tienne, la Mitsubishi Lancer Evo X de Toji. Ouais, Toji est le customiseur du groupe. Il aime les voitures bien balèzes et bien vénères. L'Evo X, qu'on a aussi appelé Concept X et Prototype X, c'est la version finale de la série Lancer Evolution. C'est l'Evo la plus moderne que tu puisses trouver. Une autre perle du JDM, c'est cadeau. Toji dirait même la meilleure de toutes. Encore un tour. Tiens le coup. Tu savais que les Evo X n'a pas de vraie marche arrière ? Elle a deux vitesses avant qui fonctionnent ensemble pour faire tourner les roues dans le sens opposé. Trop cool! Et ça la rend plus légère au passage. Exactement. Quelle course! L'équipe du Motorfest a le sens de la teuf! Te réjouis pas trop vite, t'es juste un hôte dans cette histoire. Fais gaffe à toi, Bernati. Les autres, ça peut devenir dangereux. Hé, hey, j'ai la ref! Quelle bande de geeks! La ligne d'arrivée est toute proche, les gars. C'est maintenant ou jamais. C'était la Mitsu Lancer Evo X avec customisation spéciale de Toji. Et tu viens de prouver que t'es totalement digne de cette machine.
Félicitations, pilote. On passe à la prochaine. Dernier event, juste là. Cette fois, tu vas affronter tous les membres du pack. Alors, on t'a préparé une voiture spéciale. Ils sont pas prêts. Le louveteau se fait désirer. Attends. Vas-y, pilote, cette voiture est faite pour la première place! Vas-y, pilote, cette voiture est faite pour la première place! Bien joué! Shinjuku style, hein? On va voir ça. Non mais avoue, on se croirait vraiment à Tokyo. C'est vrai qu'ils ont plutôt bien réussi à reproduire l'atmosphère de nos rues. Ok, quelqu'un cherche vraiment la bagarre.
Et comment ça se fait que notre pote ait pas testé la MX-5 d'Ayato? C'est vrai, ça? Qui sait, une autre fois, peut-être. On est loin d'avoir tout vu des courses de rue japonaises. On continue à discuter ou on montre à notre nouveau membre qui sont les alphas dans ce pack? Bien vu. Pas si mal pour un bleu. On y est presque, les gars. C'est le moment ou jamais de sortir le grand jeu. T'as pigé, pilote? Il a dit de bombarder. Tu n'as pas récupéré ta récompense pour cette playlist.
Salut! Te voilà de retour de ce côté du Pacifique. On a une dernière surprise pour toi. Direction le container. Ce voyage à travers le Japon traditionnel et moderne était exceptionnel. Quelle culture automobile! Fougueuse, classe, sans aucune retenue. On espère que cette playlist a répondu à toutes tes attentes. Hawaï et le Japon ont beaucoup en commun. C'était vraiment fantastique d'élaborer cette expérience.
ce qui concerne Hayato et ses amis, je peux déjà te dire qu'ils se sont drôlement bien amusés. Tu as clairement dépassé toutes leurs attentes. Être capable d'affronter ce groupe sur leur propre terrain et réussir à s'en sortir vainqueur, tu déchires. Au fait, as-tu aimé piloter la Toyota Supra qu'on t'a prêtée pour le dernier event? Je demande juste, sans raison. Salut! Mode veille.
Kara est là. Encore une fois. Quoi de neuf, pilote ? Kara au rapport. Tada ! En fait, elle t'attendait depuis le début. La Toyota Supra A80, édition spéciale. Yeah.
Une playlist est prête à être essayée. Allons-y. Nouveau challenge débloqué.
Restriction de cette playlist supprimée. Profites-en, pilote. Oui, mais prends le pack si tu peux prendre le pack. Non, non. Bien assez tôt, ouais. Faudrait qu'on termine 3 playlists pour pouvoir faire un petit peu de main stage aussi. Peut-être qu'on coupe pour reprendre aussi pour la vidéo. Elle va commencer à être longue. Enfin, ça va être long. Ça va être long. C'est-à-dire que la vidéo que vous allez voir, elle fera peut-être une heure. Hein, parce que je pense qu'on fera là la partie japonaise. Partie japonaise, partie vintage, partie Hawaï. Voilà, mon avis. Après, bien sûr, si la vidéo devrait durer normalement 2 heures, bon, elle durera pas 2 heures quand même, hein, elle sera coupée. Enfin, elle sera coupée. Après, c'est pas moi qui fais le montage, donc. Ouais. Et bisous. Et moi on est devant la Firebird. Et hop, des bisous.